Bonjour, voici la synthèse de notre atelier « Se construire un outil de pilotage, état des lieux et positionnement dans la partie pédagogique ». Donc, on a vu que ce n'était pas juste un document qu'on devait faire et rendre au COS pour le siège. Par contre, c'est un document qui a un enjeu parce que c'est véritablement un outil pour toutes les équipes. Par contre, attention à la réception de cet outil et à la compréhension de cet outil par toute la communauté éducative. Alors, il y a des degrés de réflexion différents par rapport aux établissements et cet outil, il est générique. Alors, il peut aussi télescoper l'évolution comme dynamiser une évolution sur ce numérique. On a précisé quand même que c'est un outil qui était ouvert. Cet outil peut être modifiable. On enlève des critères, on en rajoute, on regarde les niveaux, parce qu'on a quand même une liberté de partage. Cet outil, donc, est à la main de l'artisan. Donc, il est possible de le modifier. Mais on doit préciser tout de même le mode d'emploi. Et on fait remonter ces modifications apportées à l'outil, au siège ou pas. Par contre, le but, c'est d'apporter une discussion avec un intérêt et un échange entre le siège et nous. On doit aussi, on a proposé aussi pouvoir ajouter une colonne perspective, donc un plan à court ou moyen terme pour action, ou alors de faire une synthèse. L'enjeu finalement et l'idée qui ressort au bout des deux ateliers qui est là, du côté le technique et de l'autre côté le pédagogique, c'est que c'est réellement un outil qui doit être avec une idée de communauté, de travail avec la communauté éducative. Et donc le maître mot, c'est certainement le partage.